jail cell, a penitentiary. My time spent there, it only made me sick. And I don't ever want to be like you. I don't want to do the things you do. I'm never going to hear the words you say. And I don't ever want to be you. Don't want to be just like you. All what I'm saying is this is the anthem. Throw all your hands up, yeah. Vous étiez à l'ESCP, et comment vous avez utilisé les compétences que vous avez acquises pendant la vie associative, comment vous l'avez utilisé dans votre vie professionnelle et sportive? Les compétences de la vie associative, je les ai acquises hors de l'école, en étant président de du groupement des athlètes français, puis ensuite en dirigeant la Ligue nationale d'athlétisme. Donc moi, je suis convaincu que ça fait partie du parcours de formation pour la mise en application de choses très très pratiques, le travail ensemble. L'association, c'est vraiment un très très bon support pour finalement se préparer à ce qui attend l'étudiant en entreprise en termes de travail collaboratif. Alors, t'es la première entreprise qu'on voit avec un t-shirt finisher du RAID. Est-ce que tu peux nous dire un mot, comment est-ce que tu t'es retrouvé avec ce t-shirt? En fait, j'ai participé à l'édition 2010 du RAID lorsque je travaillais chez Total. C'était en Corse en plus, donc on avait la chance de faire un super parcours sur la diagonale Corse. C'était vraiment une super édition. I'm not a loser at all.